À l'issue de la délibération, le jury l'a déclaré digne de grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en géographie et gestion de l'environnement, option géosciences de l'environnement et aménagement de l'espace, spécialité géomarketing des entreprises agricoles. Le jury vous a décerné la mention très honorable avec les félicitations du jury. Trajectoire de l'entrepreneuriat agricole dans le département de la Donga. Diagnostic et analyse prospective. Cette thématique a retenu les attentions à l'occasion d'une soutenance de thèse de doctorat à l'Université d'Abomey-Calavi ce mardi 27 juin 2023. En jetant son dévolu sur ce sujet, l'impétrant s'est fixé un objectif. L'objectif de ce sujet, c'est de mettre en exergue les potentialités au niveau de ce secteur. Et aujourd'hui, je crois que c'est clair, c'est connu de tout le monde que le secteur agricole constitue un secteur avec beaucoup de potentiel et qui peut aider réellement à régler le problème du chômage de nos jeunes diplômés au niveau de nos universités. Au département de géographie de l'Université d'Abomey-Calavi, c'est un changement de paradigme dans le choix des sujets de recherche. La tendance est désormais aux mémoires applicables. Le candidat s'est inscrit dans cette dynamique en collectant des données sur un sujet d'actualité avec à la clé des résultats exploitables, fait remarquer le président du jury. Depuis son inscription en thèse en première année, il a commencé par déjà entreprendre. Il a une entreprise agricole et il est installé sur 13 hectares. Ça, c'est pas mauvais. Lui, il n'est plus un chômeur. C'est cette thèse-là que le gouvernement nous demande de diriger. C'est cette thèse-là qu'on veut des écoles doctorales. Que quelqu'un est docteur, il sort, il chôme. Ça, ce n'est pas possible. Au terme de son exposé, le candidat s'en est tiré avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury. Pour le directeur de thèse, ce travail donne le ton d'une nouvelle ère pédagogique. Il relève ici la plus-value qu'apporte la réflexion du nouveau docteur. Ça modifie le paradigme pédagogique qu'on avait déjà ici sur les questions d'études de ces niveaux. Et je suis convaincu que c'est la voie que nous devons suivre aujourd'hui et demain pour le meilleur de ces jeunes que le Bénin nous confie. Après l'obtention du grade de docteur, le récipiendaire entend œuvrer pour l'opérationnalisation du projet contenu dans la production scientifique dont il est auteur.